He protected us. Ce que nous pouvons faire, c'est what we have to do is worship him. Parce qu'il est bon. Because he's good. Dieu, il est merveilleux. God is so marvelous. Amen. Amen. J'ai donné les mêmes nouvelles. I gave my news. C'est juste une pause. Je réponds des activités à niveau so de l'Europe. I'm taking back my activities in Europe. Je confirme ma présence en Allemagne. Confirming my presence in Germany. Et après ça, je serai. I'll be in France. Merci pour toute cette organisation. Thank you for this organization. Je pense que j'irai avec encore. And I thank that. Tout le monde du ministère. I'll go with the members of the ministry. Vous êtes poulé à l'Allemagne. Of this tour. Danemark, Belgique, Germany. Voilà, je suis en Belgique. Très bien aimé de Belgique. I'll be in Belgium. La dernière fois, organiser certaines choses. La prochaine fois, ça ira. Next time. Next month, je vais approcher là-bas de trois jours avec I'll be there for 3 days. Je vais encore revenir en Italie. And I'll come back in Italy. Pour encore des croisades. Donc, sometime. Bien des choses à ceux d'Asti, bien des choses à ceux de Florence. Best wishes for those of Florence. Je suis chez moi, c'est ma base. It's my business. Voilà, que Dieu bénisse. Make a bless les témoignages. You. Les témoignages à la gloire de Dieu. The testimonies and the glory of God. Aujourd'hui est un culte spécial. Today is a special service. Ça sera un peu long. It will be. C'est un culte spécial. It's very special. Quand vous désirez ce qui, après le témoignage, on va vous présenter un enfant. After the testimonies, we're going to present it again to the Lord. Parce que l'enfant même est un témoignage. Because the child is a testimony. Nous allons présenter l'enfant, mais l'enfant venu au monde est un témoignage au bout de ça. We have a testimony. Quand vous désirez ce qui? Oui, Pamela, c'est qui? Le témoignage. Time for the testimonies. Vous présentez. Introduce yourself. Allô? Bon, ce matin, je vous salue. Ne marche pas vraiment. Dis-moi, non. Voilà, c'est toi qui était. Non, c'est toi qui tient le bien le micro. Non, de reprendre le micro. Ou bien tu dis comme ça. Voilà, comme ça le micro. Je me nomme Kapou Désiré. Ami Kapou Désiré. Vraiment, je remercie le prophète. Parce non, que je remercie Dieu d'abord. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. For everything he did for me. Depuis avant l'arrivée du prophète, avant son arrivée, because chaque fin d'année, je tombais malade. Every year, I was sick. Chaque fin d'année, je tombais malade. Depuis que le prophète est arrivé, et il m'a conseillé que notre Dieu Jésus il est bon. Et depuis quand je l'ai accepté, quand j'ai accepté Jésus, chaque fin d'année maintenant, j'ai tombé malade. Combien d'années tu tombes malade?
Ça fait aujourd'hui 3-4 ans bientôt qu'il croira bien. 3 ans, bientôt 4 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes tous dans la région. Ah oui, oui. Voilà, est-ce qu'on peut accueillir Jésus? Que Dieu te bénisse. Amen. Mais sa femme, sa grossesse, elle fait combien de mois là? The pregnancy of his wife. 10 mois, la grossesse de sa femme, elle avait 10 mois. Ça avait 10 mois. Et elle est veillée, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Dès que j'ai prié pour elle, le même jour, le soir, dans la soirée, sa femme a eu l'enfant. C'est une fille, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est Shalom, c'est ça? Bessoura, merci. Il me dit la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons assisté à tous les séries de Dieu, des miracles de Jésus. Your testimony. My name is Boy Pamela. I was pregnant and my baby was in a shed. And my daughter is witch. She confessed and she said us was already killed. I came, I was sick with the pregnancy. When I went to the hospital, il y avait la programmation, nous avons prié sur toi ici pour te proclamer la mort. Tu t'en sais, c'est ça? Et tu es tombé dans un coma. Tu as fait 3 jours de coma. Pourquoi on peut opérer pour faire sortir l'enfant? L'enfant est sorti sans opération et toi tu es sorti sans problème. Amen. C'est pour ça que c'est vraiment important la programmation et la déprogrammation. Le diable programme, c'est pas déprogrammé. C'est pour ça que quand il y a un esprit de mort sur quelqu'un, il faut qu'il soit déprogrammé. La chose est arrivée, c'est-à-dire la vie, la mort. Donc comme ça a été déprogrammé, elle n'est pas morte. Le Seigneur l'a délivrée. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Madame Armée, Madame Bonaldi, les bras, ils appellent par le nom. Camera. His name is Bernard. Here is why. Pourquoi j'ai mis ça dans la série des témoignages pour présenter le bébé? Bien avec l'enfant. Why do we have to have a? Parce qu'elle est tombée enceinte. Okay. Voici les papiers de l'échographie. Here are the papers. Les tests plutôt, c'est ça non? The tests. Les tests, c'est ça? L'échographie. Et on dit elle est enceinte, c'est ça? L'échographie démontre ici. Qui s'est dit merci? Qui a fait merci ici? Qui a fait? Hein? Venez. Vous n'avez pas connu non ces montages. Venez lire. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la série des témoignages. Tenez. Regardez ce que l'échographie nous dit. L'échographie? Tellement qu'elle ne croyait pas, elle a fait jusqu'à 4 échographies. Voici 1. Voici 2. Voici 3. Voici 4. Et voici 4. Voilà, donc allez-y. Lisez d'abord le nom de la personne. Mentionnez d'abord sur l'échographie. Read the name of the person. La personne s'appelle Diarasuba Mama. C'est elle. Elle s'appelle Diarasuba. Tu t'as bien noté? Faut montrer, donnez-moi, pour ne pas qu'on dise non, Diarasuba, c'est quand Diarasuba à l'église. Oui, parce que les gens, il faut qu'on montre aux gens que Jésus est merveilleux. Jesus, voilà, voici sa pierre d'identité. Allez-y. Qu'est-ce que c'est la pierre d'identité? Diarasuba Mama. Diarasuba Mama. Donc c'est sa tête, il faut bien aller dedans, c'est là. Voici sa photo. Here is her picture. Voilà, voici sa photo. Et puis la voici même, son visage. Here she is. Et puis il repère ça.
Voilà. Non, il faudrait qu'on explique aux gens parce que les gens pensent que c'est des mises en scène. Les gens, eux, chez eux, ils font mise en scène, ils pensent que nous, on est la même chose. On parle de Jésus. Regardez, voici le graphique. Voici le nom qui est mentionné sur le graphique. Here is the name. Allez, va. Let's go. L'échographie d'Ocon. La première échographie a été effectuée the first test, le 25 février 2015. Dit que l'échographie est de structure homogène, les contours sont réguliers et l'endomètre est d'aspect normal. Ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte. Voilà. Ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte. Très bien. Tout est normal. L'utérus est vide, vide et homogène. Les ovaires sont d'aspect normal. Normal. Donc elle ne croit pas, elle allait faire. Deuxième. She went the second time. La deuxième échographie qui a été effectuée le 29 avril 2015 dit que au niveau du fœtus, on dit qu'il y a un fœtus qui a une présentation céphalique mobile et que les bruits du fœtus sont présents, l'activité cardiaque est bien perçue. Au niveau du placenta, on dit qu'il est de position antérieure, bien insérée. Une situation par rapport au col qui est loin, une structure homogène, le liquide amniotique est normal, les index, rien à signaler. Ça veut dire que c'est normal. C'est normal. Donc en conclusion, elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte, tout est normal. Tout est normal. The second test. Okay. Écoutez très bien le témoignage. La troisième échographie qui a été effectuée le 8e mois 2015. Écoutez très bien. Dit que il y a un fœtus de siège mobile avec des bruits présents, qui a des activités cardiaques à 140 battements par minute avec un poids de 1417 grammes, c'est-à-dire de 1,417 kg. On dit au niveau de la biométrie que le BIP est de 71 et le liquide, le LF est de 52. Ensuite, le placenta est en position antérieure, de structure homogène, avec un liquide amniotique normal. La grossesse est de 28 semaines d'aménorrhée. Donc, cette échographie dit que il y a une grossesse qui est en place. Ok, ça c'est la fin de l'échographie, c'est oui, ça? Oui. Voilà. J'explique. Quand elle a eu des soucis, voilà, quand elle a eu la situation bizarre, she was in that situation, elle me contacte et je lui dis, ma fille, elle est en pleurs. And she was crying. Elle est en pleurs et j'ai dit à ma fille, est-ce que tu crois qu'on miracle, n'est-ce pas ma fille? And I told her, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux l'enfant. And I asked her, et je lui ai dit, tu auras l'enfant. And I tell her, je m'en fous de le résultat de l'échographie. Je m'en fous de ça. Ça c'est la science, ma vie. Va et jeûne. Je l'ai mis sur le moment de jeûne. Et puis j'ai dit, décrète que ce truc qui est dans ton ventre devient un fœtus, qui soit un bébé. Amen. Et que tu l'envoies ici. Et que ça soit un témoignage de la gloire de Dieu. Amen. C'est la suite de ça. Le troisième est passé. In the glory of God. Voilà, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va sur les quatre. Ah, mais c'est la série des témoignages. Un, deux, ça a échoué. Le troisième, ça passe. Après la prière. Le quatrième, la quatrième échographie qui a été effectuée le 21 octobre 2015 dit qu'il y a une grossesse monofœtale intra-utérine évolutif de 36 semaines plus 6 jours. Donc elle enseigne. Elle enseigne. Voilà. Voilà. Donc après la prière, la médecine déclare que cette fois-ci, elle enseigne. Docteur Zhang now confirmed that she's pregnant. Amen. Voilà. Donc, elle a fini l'examen, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Après j'ai dit, ma fille, c'est nous qui pleurons pour les malades. C'est ton mari qui fait les témoignages. Si toi tu n'es pas guéri et délivré, à passer le ministère, et j'ai prié pour elle, là-bas, à distance au téléphone. You have to be here. Et le Seigneur a opéré le miracle. God operated the miracle. Amen. Donc voici le bébé. So here is the baby. J'étais en Europe. I was in Europe. Elle avait le bébé au monde. And, il m'attendait bien sûr pour donner le nom de l'enfant. And was elle s'appelle Bénédiction. Amen. Au sens propre, c'est-à-dire elle est une bénédiction. Partout elle va passer, elle sera toujours la tête. Amen. Elle sera intelligente. Everywhere. Elle sera une source de bénédiction. Amen. C'est ça le ministère. Donc si ça n'a pas d'impact avec ton entourage, c'est que Dieu ne t'a pas appelé.
Alléluia. For people around you. Dieu est un Dieu de miracles. C'est ça qu'il faut croire, ton miracle. God of miracle. You have to believe. Toi qui n'as pas encore procréé, il faut croire ton miracle. If you didn't crois que Jésus-Christ fera encore le miracle. Given birth. Yes. Oui, il m'en fout son lit de mon épouse. Il m'en fout de ça. Operate the miracle. J'ai prié pour la reine Pélagie. En France, elle ne voyait plus ces monstres. I have prayed. Quand j'ai fini sa délivrance, vous aurez le témoignage tout à l'heure sur l'écran. Quand on a fini dans la salle, elle a mis ses dispositions. Je lui ai demandé, tu veux un enfant? Elle m'a regardé comme ça. Il est là. Le bébé est là. The baby is present. Dieu est un Dieu de miracles. J'ai vu les gens qui avaient le cancer que Jésus a guéri. J'ai vu les personnes qui avaient, n'est-ce pas, l'insuffisant rénal que Jésus-Christ a guéri. Qui avaient l'hernie discale que Jésus-Christ a guéri. C'est le témoignage. Là, on rencontre les coloristes, puis le prophète fait celle. C'est quel montage? Vous avez vu le témoignage? Here is the testimony. C'est la puissance de Jésus-Christ. The power of Jesus. C'est ce que Jésus-Christ, vous avez mis le moi. Au fur et à mesure, il y avait un miracle. J'ai dit, tiens, tiens, ma fille, ne doute pas. Quoi? You don't have to doubt. Ça, c'est le résultat de la science. Il faut croire que tu dois aller Dieu. Tu mets un enfant. Je vais le conseiller. Tu mets un enfant comme elle est lui. Et tu crois que tu as l'enfant. Tu t'en fous du résultat. Elle croyait pas tes stomachs fait l'examen. Et puis ils ont confirmé pour dire, il y a un bébé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Qui t'a fait bétali à la main? Nama a dit, oh, dans la cassio. Qui t'a fait bétali à la main? Nama a dit, oh, dans la cassio. De la chose. Ça, c'est le 8e mois où elle était déjà enceinte. Ça, c'était déjà le 9e mois où ils ont confirmé la grossesse. Ici, c'est en février. Et ici, c'est le 25 février. C'est-à-dire 25, 2e mois 2015. Où le résultat dit, c'est négatif. Where she got a negative result. C'est la même année, là, hein? Février. Là. OK. Février. Il faudrait que j'arrive à vous signifier tout ça. Elle part dans les 4e mois, c'est-à-dire 2 mois après, c'est ça, non? Deux mois après, le 29 avril, et la médecine dit non, c'est vite. Ok. She has another negative result. Le 8e mois. The 8th month. Et là, on dit, ah, il y a bébé, hein? Son père va doucement. Elle a où sa persévérance. Elle n'est pas lignée, hein? Non. Elle a persévéré. She has persevered. Ici, la médecine dit, ah, le 10e mois, le bébé est là. Nous sommes dans le 4e mois. Tu as accouché en quel mois? En octobre. Again, est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Tu verras la gloire de Dieu. Jesus, the glory of God. Là où il y a la présence de Jésus, where we have the presence of God, caractérisé par le miracle, we have a miracle. Nous ne pouvons pas prier pour les gens. We cannot pray for people. Et Jésus délivre. But Jesus delivers. Toi, and la femme, le monsieur qui est le communicateur du ministère et qui est dans les difficultés. Who is responsible for communication? Un champ de fécondité, ton bébé la soie doit rester. Amen. Elle est en pleurs. She was crying. Le test. Elle dit mais la grossesse. Because of the test. Ça passait plusieurs fois. C'est ça que je suis. Elle perdait les bébés. Il dit qu'est-ce que tu veux? Elle dit je veux que cette grossesse. And I asked her what do you want? Il dit mais ça reste. Parce que le témoignage. Dieu est puissant. God is powerful. Amen. Amen. Dieu. Il est puissant. God is powerful. Crois ton miracle. Believe in your miracle. Crois à ton miracle. Believe in your miracle. Alléluia. Si à quelqu'un croit, say to your neighbor, believe in your miracle. Jésus est trop fidèle. Believe in your miracle. Il est trop merveilleux. It is faithful. It's so marvelous. La semaine que je suis dans mon prière, spécial des signes de miracle. To pray. To pray. Il faut que Dieu vous délivre. Must deliver. Vous ne devez pas partir en cette nouvelle année 2016. You go in the coming encore year avec ces difficultés. With these troubles. L'année 2016 soit pour vous une année de témoignage. Une année de témoignage. A year of testimony. Nous allons présenter le bébé. Let us present in front of the baby. On ne va pas prier notre vie. On va mettre deux sur la tête. Je suis maintenant dans la bouquette. We don't have to wait our tablets. Amen. Tu vas chez les blancs, tu regardes, tu veux faire quoi? Je suis là-bas, je regarde, je vois la l'enfer. Un peu, un peu. If you have a ministry, and then we don't have influences on the people around you. You I give you the name, blessing. Mm-hmm.
la meilleure. Tu vas pour un dernier. Meilleur. Quand tu mets à l'écran, c'est premier. That's the best. C'est premier, premier, premier. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit, tu seras la paix devant la gueule. C'est You'll be the top. Qu'aucun sorcier ne te mange. Amen. Amen. Le jour est mixte, il aura fait à toi. Il va vous trahir. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Today, le jour du grand âge, il va être un mariage. Il faut trouver un bon type. Pourquoi trouver un bon type? Un bon type. Pourquoi avoir de l'argent? Un monsieur qui va venir payer la dot à mon petit. You have to be mon argent pour payer dot. Vous verrez maintenant. Je te consacre devant Dieu. C'est le Père, c'est le Saint-Esprit, devant l'Église de Jésus. The Holy Spirit. Je te consacre ton âme, ton esprit, the Spirit, toute ta destinée, and all your destiny, est désormais consacrée à Dieu. Et sanctifié to God. Ta vie est enflammée du Seigneur. The Lord, il conduira désormais ta destinée. He guide your destiny. Je révoque sur ta vie toute forme de malédiction dont tu avais hérité. Je t'établis dans la bénédiction. Il t'établit dans les grâces. C'est que l'Esprit de Dieu se saisit de toi. Sois la meilleure sage et diligente. Obéis aux parents. Au nom de Jésus que j'ai prié au Dieu. Amen. Amen. Nous allons envoyer un panier, nous allons donner une offrande. Quand Jésus est né, les gens ont envoyé une offrande. C'est moi qui compte, c'est pas vous. Je t'ai déjà dit, on doit faire une offrande. C'est déjà à toi de communiquer ça. Envoyez un panier. Je t'ai déjà dit ça de 10 hier. Voyez par nez, on va faire des offrandes. Comment mon portefeuille? Oh,
tu vas prendre, Denise, tu vas compter les offrandes et puis tu vas remettre ça au Père. Amen. Vous allez bien éduquer l'enfant, pour que l'enfant soit prospère. Vous avez mis quatre, oui. Et puis la maman aussi, pour que je l'aie un petit travail. Parce que ici, c'est l'homme qui va nourrir son enfant. The mother has to work to have a job. Amen. Alors, c'est monsieur, madame. Je ne suis pas là pour préparer Placali. Je ne suis pas Josie, pas de Josie, on met l'argent ensemble. Amen. Ils ont des lois bizarres. C'est-à-dire, la femme, s'il vous plaît, on suit ici. On suit ici. On n'a pas besoin de faire du bruit. Let's follow here, please. Tout gentiment et poliment, on s'adresse aux gens. On n'a pas besoin. En Europe, écoutez, c'est-à-dire, c'est toi qui as fait enfant tes femmes, non? Tu peux décider si c'est toi qui vas donner le nom, parce que toi tu peux donner le nom à ton enfant. In Europe, you le monsieur, il n'a pas as a woman, you can even decide to give a name to the baby. Tu dis à Zadie, bon Zadie, c'est plus le nom de ta femme, c'est, je ne donne pas mon nom, j'ai donné à la suivante. Si il dit coin, coin, il va en prison pour ça. Even the man can even go to jail. Yeah, I'm coming, I see you. I got you.